Bonjour les amis, c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Je vais réaliser vos défis. Alors on va commencer tout de suite, je prends mon petit papier, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. On va commencer tout de suite avec Mystique qui nous a mis plein de petits bugs. Mais moi j'en ai pris deux, donc je vais faire le tuer quelqu'un, puis activer le mode titan et pousser la poubelle, puis se téléporter les amis. Ça m'intéresse beaucoup, donc on va faire ça et bien les potes. Alors tout simplement d'abord je vais prendre tout simplement le petit couteau. Ça fait déjà deux tout simplement en à peine quelques secondes. Alors on prend le couteau. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander de nous suivre, comme ça on se fait pas repérer, hein. Au moins on peut voir le bug vraiment sans se soucier que on vienne nous ennuyer. Alors j'espère qu'elle me suit, je l'ai pris elle au hasard, hein, voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là, si vous le savez dites-le moi, en tout cas elle a les cheveux bleus. Bon alors viens ici s'il te plaît, voilà. Bon elle est venue, voilà, on peut sortir notre couteau maintenant puis l'attaquer, voilà, parfait. Ok, je m'excuse, j'arrive pas à parler déjà, je m'excuse encore une fois pour les petits bugs hein, les gars, de temps en temps je suis vraiment désolé. Alors, je vais activer le Titan Mode, pour ceux qui se le demandent et qui savent pas comment on ouvre justement la liste des modes comme ça. Moi personnellement sur mon PC c'est là où il y a la touche slash et les deux petits points, donc moi c'est cette touche là. Maintenant vous je sais pas si c'est pareil, en tout cas moi c'est celle là. Alors Titan Mode, voilà, on l'active, ok, c'est énorme. En fait, elle est titan, mais elle a gardé sa taille, en fait, initiale. Ok, c'est stylé. Est-ce qu'on peut la prendre, alors? Je vais la prendre comme ça, ouais. Ok, c'est vraiment cool, ça. J'ai pris la version de Mars, parce que les titans sont mieux faits que dans les versions précédentes, même si les nouvelles versions ne font plus bugger. Ah ouais, ok, bah les autres sont géants. Et moi, eh bien, j'ai dans mes bras, eh bien, tout simplement... un titan, mais en petite taille. Ok, vraiment super sympa ce bug. Bon les potes, on va faire le bug de la poubelle maintenant. Sachez que voilà, la poubelle, elle est plus collée à un mur comme avant dans les nouvelles versions. Elle est là où il y a les délinquants. Donc moi, je vais tout simplement passer, voilà, comme ça, tranquille. Je prends la poubelle, voilà. Et maintenant, je vais tenter de me téléporter sur le toit pour voir ce que ça fait. Oh, attendez, énorme! Ah ouais, c'est ça le bug. Je l'avais jamais vu. Donc en fait c'est comme si on avait encore la poubelle, mais elle n'est pas là en fait, elle est invisible. On dirait, vous savez ceux qui font les trucs genre les murs invisibles, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle ceux qui font ça, eh bien dites-le moi, enfin ceux qui font qui miment genre enfin qui a une vitre invisible, voilà. Ok, c'est vraiment cool, est-ce que je peux par contre pousser la poubelle ou faire quelque chose comme ça? Attendez, est-ce que je peux? Ah bah non, mince, elle a lâché la poubelle. Ok, je sais pas s'il y a moyen d'exploiter encore plus le bug, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. N'oubliez pas, les amis, que vous pouvez, si vous n'avez pas d'idées dans les objectifs, eh bien, me donner des bugs, hein. Vous savez que je suis très friand des bugs. Donc, un bug, ça peut être aussi un objectif. Voilà, c'est un mélange d'objectifs et de bugs. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous connaissez des bugs, eh bien, à m'en faire part dans les commentaires. Alors, maintenant, on va passer, à l'objectif de Luc, je suis désolé si je prononce mal, qui nous demande, tout simplement, de tuer quelqu'un, puis de remplir le seau d'eau de sang, en nettoyant le sol là, puis la jeter sur Coconut. Rappelez-vous les amis que dans la vidéo précédente on avait lancé un seau d'eau sur Coconut. Bah dorénavant on va essayer de lui lancer un seau avec du sang, donc je trouvais l'idée assez sympa et je me demande si c'est possible, voilà. Alors ce qu'on va faire, on va prendre le petit couteau ici, on va déjà tuer Midori, on va préparer le terrain en attendant 7h30. Alors Midori, hop, on t'attaque comme ça, voilà, parfait. On va ranger le petit couteau, hein, bien évidemment, on change pas les habitudes. On va la prendre, non on va pas la prendre les gars, on va pas la prendre. Attendez, pour qu'il y ait plus de sang, je vais la traîner justement. Ouais, relève-toi s'il te plaît, voilà, on va la traîner en fait les gars. Parce que comme ça, le sang, voilà, on la traîne bien dans le sang. Comme ça, ça fait peut-être plus de traces. Ah non, pas du tout. À part mes pas, ça ne fait rien du tout. Bah du coup, je vais concentrer mes pas. Voilà, je suis vraiment désolé pour les bugs. Hop, voilà, on a fait un petit symbole en même temps. Oh, c'est joli. Bon, on va la repasser dans le sang. Voilà, est-ce que ça va faire des traînées? Non, je sais pas du tout. Non, je sais pas du tout, non. Bon, alors, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va vite planquer Midori parce que les gens vont arriver. Enfin, les filles vont arriver, du coup. J'ai pas envie que... qu'on ramène la police, hein, ça m'embêterait fortement. Voilà, tu pourras faire un petit dodo ici. Ok, c'est bon, on vient de la mettre, voilà. Bon les amis, on retourne à l'endroit où on était. Bon, je suis revenu à l'endroit où on a fait notre petit crime, donc du coup je vais prendre maintenant la bassine, on va déjà la remplir d'eau, si elle veut bien, voilà. Ok, on va la mettre par terre. Moi personnellement, pour jeter les objets par terre, j'appuie sur C pour m'abaisser. Je sais pas s'il y a une touche spéciale pour tout simplement le déposer, tout simplement. Moi je le jette comme ça. Alors, on va vite nettoyer tout ça. Voilà. Hop, on va vite nettoyer les pas.
Dommage, hein, c'était une belle œuvre d'art. Vous avez vu, j'ai fait une sorte de spirale, mon gars, un escargot en pas de sang. C'est juste magnifique. J'ai un talent fou, les gars. J'ai un talent fou. Alors, on va continuer, eh bien, d'essuyer nos petits pas. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai vraiment envie que la brosse soit rouge de sang pour être sûr qu'il y ait du sang dans la bassine, en fait. Parce que là, si je fais ça, bah, y a presque rien sur la brosse, donc du coup, ça risque de peut-être pas le faire. Bon, les gars, j'ai pas réussi, mais là, nous avons eh bien, les filles qui sont montées. Donc du coup, je vais essayer eh bien, de les tuer, en fait, les potes. Je vais essayer de les tuer toutes. Comme ça, tant pis, on aura le temps avant la police, je pense, avant que la police n'arrive. Hop, voilà, on les tue comme ça, les potes. Ensuite, on va prendre, eh bien, la petite brosse. Voilà, je suis sous pression, là, les gars, je suis sous pression. L'heure avance, en plus. Elle va bientôt arriver, Cocona. Donc, on va essayer de vite essuyer tout ce sang. Voilà, 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 voilà. Ok, il y a du sang qui réapparaît des fois. En fait, petite technique, les gars, en fait, quand vous allez sur les cadavres, apparemment, il y a du sang qui sort. Je suis vraiment désolé, là, il y a une baisse d'FPS, je sais pas pourquoi. Les FPS, c'est ce qui fait la fluidité du jeu. Vite nettoyer la brosse, les potes. Voilà, on a nettoyé la brosse. Du coup, tac, on prend la bassine. Je sais pas s'il y a un pot de sang dedans. Hop, voilà, on prend la bassine et on va vite la jeter sur Cocona. Alors, elle est où, Cocona? Elle est... Ah, elle est là, Cocona. Donc, on lui lance la bassine. Voilà. Bon, c'est tout est lagué parce qu'en fait, j'ai des problèmes mentaux, là. Ok. Bon, bah, lui acheter. Je sais pas du tout si ça fait quelque chose. Alors, on va vite aller la voir. Ah, il y a Cocona qui est là, les gars. Est-ce qu'elle a du sang sur elle? Non, elle est juste mouillée, les potes. Bon, bah, apparemment, on n'a pas vraiment une bassine de sang. On a juste de l'eau mélangée avec du sang. C'est quand même assez dégueu, hein, on peut se le dire. Donc, Cocona a quand même reçu, allez, on va dire un minimum de sang. En tout cas, assez sympa à faire. Je suis quand même content d'avoir vu eh bien, ce que ça faisait. Bon, les gars, on va passer eh bien, au dernier objectif qui est l'objectif de Max Powers qui nous demande eh bien, tout simplement d'attendre que Cocona vienne manger comme à son habitude hein, sur son petit banc et de se transformer en bataille mode, de la tuer avec les os et puis d'essayer de la porter. Normalement, il devrait y avoir un bug. Donc, j'ai préparé le coup. Je me suis mis le mercredi, les potes. Et j'ai passé le temps parce que voilà, c'est relativement long si on doit attendre sans passer le temps. Donc voilà, normalement elle devrait bientôt arriver. Du coup, dès qu'on la verra arriver et qu'elle se sera installée, eh bien on se transformera tout simplement en bataille mode et puis on essaiera eh bien de la tuer, les potes. Voilà notre petite Cocona. Du coup, on va attendre qu'elle s'installe sur son banc. Oh, 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 elle bug déjà sans même que j'ai fait quelque chose là. Cocona, vous savez bien, hein. Elle est les bugs, ça la connaît. Par contre, là, ouais, bon, elle est repartie. Elle va aller épier Senpai. Donc, nous, ce qu'on va déjà faire, eh bien, c'est qu'on va déjà se transformer en bataille mode. Comme ça, c'est déjà fait. Voilà. Maintenant, on va attendre tout simplement, les potes, eh bien, qu'elle aille se réasseoir. Hein, voilà, tout simplement. Alors, notre petite Cocona des familles. Si tu veux bien te réinstaller et de manger ton petit bento, ce serait cool, hein. Voilà, non, elle bug, bien évidemment. Alors, c'est parti, ok. Hop, let's go. Hop, waouh, c'est tellement lent. Ok, mais elle évite tout, mon gars. Attends, 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 attends. Attends, vite, 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 faut quand même que je me dépêche. Alors, Cocona, s'il te plaît. Cocona, voilà, merci, Cocona. Maintenant, on va essayer de la prendre. What the fuck? What? Ok. Oh, j'adore ce bug. Franchement, il est vraiment cool. Je m'attendais pas du tout à ça. What? Ah mais c'est génial en vrai comme bug. Ok. On l'a tué et genre tranquille elle mange à l'intérieur de nous. What? What? Oh. C'est n'importe quoi. Il est énorme ce bug. Ah mais c'est juste terrible les gars. Il est énorme ce bug. Wow. C'est énorme. Vraiment les potes je kiffe. Vraiment les potes là, je... Ouais, vraiment j'adore. Je pense que c'est le plus gros bug que j'ai vu pour l'instant. Vraiment super... Oh, what the fuck? Ok, le bug apparemment a un temps limité. Et bien franchement j'ai bien kiffé. Merci à toi Max Power d'avoir donné ce bug là. Si vous connaissez des bugs comme ça, et bien continuez à en mettre les gars. Vraiment j'adore les bugs. Donc voilà, objectif bug, j'aime ça. Voilà les potes, en tout cas j'espère eh bien que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces bleus. Franchement ça m'aide énormément, donc continuez, vous êtes vraiment super. Pour les nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas eh bien déjà fait. Et franchement merci à tous, la Fried Family. Continuez à mettre des objectifs. N'hésitez pas à remettre les objectifs que vous avez déjà mis dans les vidéos précédentes pour que j'ai plus facile à les revoir si je les ai pas pris. Dites-vous bien que plus il y a d'objectifs, plus il y a de vidéos. Donc merci à vous tous eh bien de pouvoir me permettre de continuer à ce qu'on kiffe tous encore, et eh bien Yandere Simulator, qu'on continue à passer des bons moments tous ensemble. Donc les gars, et eh bien sur ce, je vous dis prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.